Le premier nom de cette liste, c'est Pashmiya. J'ai sur mon téléphone, j'ai Pokémon Go. Vous connaissez Pokémon Go, peut-être, oui, non, je sais pas vraiment. Sur Pokémon Go, il y a la possibilité de télécharger des Pokémon de Pokémon Go jusqu'à la banque Pokémon pour pouvoir les mettre sur les jeux sur Switch. À savoir pour l'instant, Let's Go, les deux Let's Go et Épée Bouclier. J'ai transféré entre 5 et 8, je sais plus exactement, Shinchidou, en me demandant est-ce que il y a une possibilité qui est multicoup? Aucun ne l'a eu. Suite à cela, j'ai donc été demandé sur le groupe Facebook le Trash Talk, qui est donc, je suppose, connu sur Facebook, je sais pas, pour Pokémon en tout cas. Je leur ai demandé, les gars, est-ce que vous savez si Pokémon Go, ça donne des capacités, des talents secrets? Nae m'a dit qu'il pensait pas. Peut-être qu'il avait essayé aussi, que ça n'avait jamais abouti. Donc je me suis mis en PLS tout seul, et je me suis dit, bon, ça va être chaud dimanche pour stream la cup de Sulfura un petit peu. Ça peut être un petit peu chaud quand même. Et puis, puis ça a été la merde, parce que j'ai pas trouvé de Shinchidou multicoup. Ce qui veut dire qu'on est obligé, entre guillemets, de rush le jeu pour aller au DLC pour aller chercher le Pashmia ou le Shinchidou multicoup. Donc déjà, le premier de la liste est Doomed. Le deuxième, c'est Goupix. J'aurais alors Goupix que j'avais appelé Jinto. Le souci, c'est pas que je ne veux pas jouer Goupix. Non, le souci, c'est que l'ayant mis dans l'équipe du tournoi, lorsque je veux accéder, je ne peux pas parce qu'ils ont tous des petits cadenas. Ouais, je me suis fait littéralement douiller parce que c'est jusqu'à ce soir minuit en fait. Donc là, en fait, on ne pourra pas avoir notre petit Goupix dans notre équipe. Donc là, on s'est encore une fois douillé. L'autre membre est secret. Ce membre secret, c'est un membre que je veux tryhard en Shiny, mais vraiment parce qu'il est magnifique en Shiny, que c'est un des plus beaux Pokémon que j'ai pu voir, si ce n'est le plus beau, j'ai encore un doute. J'ai fait plus de 600 œufs de ce foutu Pokémon. Ça n'a pas abouti. Je ne sais pas encore tout ce avec l'or, évidemment. C'est pour ça que quand on va sortir, vous allez reconnaître l'endroit, peut-être. Voilà. On n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. Nous, on est ici. À savoir que depuis 3 jours, ma vie sur Pokémon se résume à faire du vélo. Pardon. Ma vie se résume à faire du vélo sur cette route. C'est 3 jours. Hein. Ah, vous voyez, la main qui est relevée comme ça. C'est-à-dire qu'elle a un œuf pour moi. Voilà. Donc je vais comme ça. Je spamme A. Puis après, je spamme B. Pour pas le mettre dans mon équipe. Mais non, mais j'en... péter un câble. Je veux transférer ce... Ouais, bon, c'est plus très secret du coup. Ouais, non, mais je fais de la merde là. Moi, pour le coup. Bon, bah, du coup, vous avez compris, je cherche un Zoruya Shiny. voilà, bon, du coup, ouais, pour le coup, là, on est parti sur un petit peu loin, vous voyez. Ça, c'est pas des Shiny tout ça. Hein. Et c'est parti loin. Donc là, on est un peu open. Donc là, c'est un Zoruya Shiny qu'on cherche. Donc là, c'est pour le troisième monde. Quatrième monde, c'est Venipat. Cinquième est Molga. Et sixième, Solochi. Donc, du coup, on en a la moitié. Sachant que. Je crois qu'il m'obéit pas le Solochi. 31, je crois que c'est open en vrai. Alors j'ai déjà optimisé entre guillemets leur attaque par rapport à ce que j'avais comme CT. Bon, c'est pas vraiment super, mais on va faire avec. Voilà. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, post-tournoi. Le tournoi, ça a donné quoi? J'ai gagné un seul combat. Enfin, avec une équipe aussi qui n'est pas préparée. Vous vous doutez bien que c'est pas super. En fait, en vrai, sur le papier, j'en ai gagné 3. Sauf qu'il y en a 2, c'était des. En fait, les mecs, ils ont FF à 3 secondes, quoi. Le combat s'est lancé, ils ont FF. Donc, vous comprenez bien que la partie de là, c'est open. Donc, du coup, déjà, ça, c'est un premier problème, déjà.
Après, je fais que perdre, mais là, vous voyez que là, c'est quand on aura une autre équipe, un peu plus strat, qu'on fera des combats. Limite, je peux peut-être vous en faire un pour vous montrer, mais enfin, ça serait juste se faire laminer pour rien. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément le coup. Ce que je propose, c'est qu'on continue l'histoire, parce qu'on est parti pour ça. Et puis qu'on essaye de voir jusqu'où on peut aller. On a que 3 Pokémon, c'est pas beaucoup, je vous l'accorde. Ce qui me ferait le plus, j'ai tombé sur Shiny maintenant, quoi. Donc je vous avoue que je suis pas spécialement chaud pour tomber sur un Shiny maintenant. Je vais juste tester. Est-ce que tu m'obéis, Solochi? Là, j'ai aucun moyen de savoir s'il m'obéit. Juste récupérer le cadeau mystère rapidement, vous permettez? Je sais pas comment on le récupère, c'est internet? Je pense que c'est via internet hein, normalement. Normalement je dois avoir mon sulfure là. Open. Il y a un mot de passe à taper? Ah, recevoir des récompenses tête de combat. Non peut-être pas. Faut en faire combien des combats? De toute façon j'en ai peut-être pas fait assez en vrai. Attendez, non mais j'ai vu que c'était possible de le recevoir, non? Attendez, j'ai peut-être fait une merde en vrai. Peut-être open un truc là en vrai. Ok, j'ai fait de la merde, excusez-moi. Faut aller vérifier ses résultats. Ça, vous verrez le résultat honnête. Oh, l'équipe de combat est déverrouillée. Goupix dans mon équipe. Oh, pen up, on a... Le stream va bien se passer, les amis. On est sauvés. Le stream va bien se passer, vous l'avez entendu, ça? Bon. Voilà. C'est pas le nombre de combats que j'ai gagné. Peut-être vaut mieux pas, hein, mais... Bon, c'est pas trop mal, catégorie master, hein, je tiens à vous le dire, j'ai pris la catégorie du dessus, vous comprenez pas de choix de catégorie, c'est open. Notre équipe est déverrouillée, je n'en ai plus rien à foutre. Je peux avoir mon sulfura? Merci. Alors, vous allez être déçus. Hein. Ceux qui connaissent pas le jeu, vous allez être déçus. Il est dégueulasse. Je suis désolé, hein. Je préfère le premier. Ça, ce sulfura là est dégueulasse. Excusez-moi. C'est pas chromatique qui me gêne, hein. C'est que, alors déjà, voilà, de base, le non chromatique, il est violet dégueulasse. Mais, forme de galard, quoi. Putain de merde. Ils ont donné une forme de galard à un légendaire. Ça le rend dégueulasse, quoi. Enfin, bref. Bah, du coup, je vais aller chercher Goupix. Mais c'est open! On aura 4 Pokémon, dont un qui m'obéit à coup sûr. Est-ce que c'est pas trop de la balle, ça? J'en peux plus de moi.
Fallait juste que je fasse un seul truc pour pouvoir jouer tranquillement, quoi. C'est juste déverrouiller mon équipe. On est chanceux, les amis! Je m'en fous de vous avoir spoil la surprise, je m'en fous parce que j'ai Goopix! En vrai de vrai, sans faire de mauvaise foi, bon, je vais mettre juste Léopardus, juste pour avoir un... On va dire un potentiel... un potentiel remplacement de Zorua. Et on va prendre l'Astu comme remplacement de... De Pashmia. En attendant de les avoir. Parce qu'ils sont quand même assez haut level et ça me permet d'avoir une équipe complète. En vrai, c'est pas si open que ça. C'est temporaire. Et bah là, les gars, on est bien. Bon, du coup, on continue le jeu. On a plus rien à foutre, c'est bon. Bah, c'est bon, on continue le jeu là. On a notre équipe. On est parti, hein. Alors là, on stream pendant 2 heures. Hein. C'est pour vous dire, on est parti pour 2 heures. C'est parti. Petit bac iguane qui traîne là. Encore toi. Ah ouais, encore moi, t'as un problème avec moi. Bon, j'ai un problème avec moi par contre. En fait, mon problème avec moi, c'est ceci. Ne t'en méprends pas. Je suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du Gémeaux général, ce serait bientôt dégradant pour mon équipe. Marc, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner les souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi, d'ailleurs. Croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer un combat à l'étendue du gouffre qui nous sépare. J'ai été sélectionné par le président de la Ligue en personne. Tu n'as aucune chance. En vrai, je l'aime bien parce qu'il est un Pokémon de la 5ème génération. Ça s'arrête là. Petit Solochi? Est-ce que tu m'obéis, Solochi? Oh, je t'aime bien, toi. Eh oui, j'ai des restes. Salut! Un des items les plus pétés hein, en termes de strat. Que tu as peu progressé. Juste un peu. Il vient de Pokémon Go, lui. Hein. J'en avais 3, je me suis dit bon. Est-ce qu'on a un truc contre le type feu en vrai? Je pense pas, on a rien de spécial. Non, non, on a roulade éventuellement avec. Avec. Venipat, mais c'est chaud en vrai. Et il m'open là, hein. Je suis type dragon déjà. Oui, je suis type dragon, ok. Prends cher un peu là, non? Bibi chute? Je connais pas. C'est pas ma faute là, je connais même pas. Ah ouais! Bon Pokémon, ça, je reconnais. Parfait. Voilà, la foule team psy, mon pote. Tu as assez poussé dans ma dernière retranchement, je t'en félicite. Merci, merci. Tu es bien grave, dis donc. Non, tu es bien brave, donc j'ai pitié de toi, je t'ai laissé gagner. T'inquiète.
Toutes mes excuses. Il en aurait donc non pas irrémédiablement lamentable, mais simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, je suis bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes. Mais j'ai mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Chiant, mais pas trop, tu vois. Il m'excusera, mais j'ai soit le vœu à collecter. Ciao. Je t'ai juste fumé, mon pote, hein. On n'a pas le choix, hein. Je reconnais ça. Mon Pokémon déborde d'énergie. Il ne tient pas en place. Bref, il veut se battre. Allons-y, Jimmy. Non, ce n'est pas un Pokémon, c'est un wagon. Enfin, bref. Bah, foutons le jeu, non? Pas mal, c'est monté de niveau. Pas mal, c'est monté de niveau en vrai. Pas mal, pas mal. On est bien reparti en vrai. Après en vrai, est-ce que j'aurais pas soigné mon solo de chien en vrai? En vrai de vrai, si. M'en voulez pas, hein, mais. Là, je sens que mes assurances, elles descendent, quoi. Et je prends pas d'assurance santé! Vous l'avez? Désolé, j'en suis fier. On va juste les soigner un petit coup. Mais ouais, pour le coup, j'ai pas été spécialement super fier de ma presta pour le tournoi. C'est pas un vrai tournoi, mais je suis pas super fier quand même pour le coup. Donc après, c'est pas pour ça que j'ai pas record. J'ai pas record parce que tout simplement j'étais en PLS avec ma chaîne Twitch et que j'ai fait mon tournoi dans la panique en faisant d'autres choses en même temps. Mais c'est tout, mais ouais, du coup, ouais, j'ai pas rigolé le tournoi et ça a été un peu un massacre, quoi. On va être clair hein, dans les choses à dire. Hein, mais... Faut savoir être honnête dans les faits, hein. Dans les faits, c'est un massacre. C'est qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit bon, non. Il a failli me bouffer, hein. Non? Si? Je te contourne? En vrai, si je veux la contourner, je la contourne, mais je vais aller là. J'en ai marre de bosser. J'ai plus ce que j'ai appris sur ce chantier pour me battre. Bats-toi. Battons-nous, du moins. Petit nodulite. Nodulite c'est cool, mais c'est long à faire évoluer. Surtout dans Pokémon Go, quand je n'en croise aucun. Pardon. Pardon, désolé. Et bienvenue à Naija Cash. J'en profite hein, parce que je le vois en retard, mais je le vois quand même. Oui, j'ai pas remis les alertes, hein. C'est vrai qu'il faudrait que je les refasse. Et juste sur l'ancien. En fait, le truc c'est que par rapport au moment où j'ai dit que j'allais vous faire un stream et que j'allais essayer de tenir. Je me suis rendu compte que je devais également refaire mon overlay de notif. Ça vous met bien, j'espère. Du coup, je vais peut-être le mettre à jour, je verrai. Je sais pas si je le change ou pas. Mais ce que j'aurais que l'autre me hurlait un peu dans les oreilles. Ça me manque, mon ancienne chaîne. Merci, Twitch. Bon, en vrai, j'en veux pas à Twitch. Enfin, j'en veux pas trop à Twitch, on va être honnête. Parce que c'est. J'ai dû avoir ma part de responsabilité, j'aurais peut-être dû m'y prendre un peu en avance aussi pour changer mon numéro de téléphone. Mais bon. On va dire que.
ils auraient pu trouver un moyen de régler le problème et qu'ils l'ont pas fait quoi. Donc je leur en veux quand même un peu. Et attendez qu'ils mettent utiliser leur plateforme pour stream, on va juste fermer ma gueule et vous dire que j'ai un peu le seum quoi. Alors, oh ça va, bah, ça va, le jeu est le plus facile, mais le jeu est 5ème génération, donc on va pas rater le rail. Petit coup de boule là. J'ai hâte d'avoir mes attaques dragon là. Ou même triple attaque, c'était pété ce truc là à l'époque. Enfin je parle pété contre les... Dans le jeu, dans l'histoire, hein, pas dans la strat. Ça va. Là, par contre, je perds pas mal d'argent. Je perds pas mal d'argent. J'ai vu que j'avais assez de Pokéball et tout pour continuer. La fameuse team bordélique. Pardon de te les ranger, mais c'est bien le challenger, non? Oh là là, c'est super impressionnant. Tu serais bien nous accorder un petit combat? Ah, t'es là, Loki. Waouh, tu as déjà trouvé des groupies? On dirait mon frangin. T'es qui toi? On t'a pas sonné! Je m'appelle Nabil, je suis le prochain maître! Non mais lol quoi! On sait tous que le prochain maître, c'est Rosemary! Quoi? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Oh, vous allez le regretter! Allez, viens Loki, on va leur montrer! Non, je te laisse te démerder, je continue, je le laisse. Eh ouais, on est recommandé par le maître en personne! Vous allez voir ce qu'on sait faire! Pff, oh, vous êtes vraiment à la ramasse! Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est, la durabilité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il réapplique l'autre naze? Il était bien de plan de mobiliser le challenger en étant poli pour lui dégager un par un. Pokémon dégueulasse. Oh, le moumouton qui vient de se prendre un mule. Oh, le coup critique qui vient de se manger. Incroyable. Pas mal. Oui, non, mais là, on a besoin de la capacité un peu offensive. C'est quoi la première? On va prendre grincement du coup. Parfait. Petit Léopardus. De toute façon, dès qu'il est niveau 70, on se casse au DLC, hein, je vous le dis. Là, ce qui m'attend, c'est juste le niveau 70. Hein. Une formalité hein, pour moi. Parce que je vous le dis, on va tryhard le jeu de façon intense. Et là, on fait le tour, je crois. Une fois qu'on s'est retourné à Montorby, on retournera dans les grandes plaines avant de continuer un peu l'histoire. On aura le temps de toute façon, là, on est là jusqu'à 5h30. Hein. Donc on a le temps. Je sais que si le stream ne bug pas. Là, je sens le stream qui lag un petit peu de mon côté. Après, si c'est que de mon côté, tant mieux. C'est vrai que l'Inéon, il n'y a pas encore touché pour l'instant. Alors, objectivement, il n'y a pas encore touché au Inéon quand même. Je veux dire, Léopardus, il prend pour 4 générations, mais. Même de droite, il a encore ses deux Pokémon, quoi. Il prend cher, Nabil, hein. Ah, c'est open, ça va, content.
Ah, j'ai pris trop de sable dans les dents, j'ai l'impression. C'est pas forcément bon. Il n'y a personne qui fait une seule attaque offensive, ça me saoule un peu. Il prend une habilité tank. Hein. Le temps que je désingue les autres là. Vite fait. Parfait. Ça c'est cool. On n'a pas énormément de choses à lui faire, on va faire une petite souplesse. Parfait. Une attaque offensive. Évidemment, apprends la vite même. Il me pose la question comme si, comme s'il y avait une possibilité de dire non. Bon, tu le fais sur le dresseur après. Hein. Ça ne me met pas forcément mieux. On va quand même lui faire une petite assurance, c'est pas très efficace, mais on a quand même le stab et le niveau. Voilà. Ah, c'est histoire de dire, on est là quand même, vous voyez. Tu viens de me mettre cher. Là, là, tu m'as pas mis super bien, quoi. Tu sers à rien, Bleuzeye. À rien, tu sers. Pardon. Parfait, ça. Voilà, vous avez fait laminer. Toi là, le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Des frères mieux que d'autres. C'est réellement pas juste. La team nous vengera. Bien joué, Loki. On fait vraiment la paire, toi et moi. En fait, t'as vu Kabu, toi? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. Qui ça? On cherche qui là? Excusez-moi, on cherchait quelqu'un? Oh, il s'est raté. Mais tu t'es raté, mon pote. Tu t'es raté, mon petit limonde. Ah, c'est un limonde de forme gala, hein, évidemment. Parce que dans le jeu, on fait pas les choses à moitié. En vrai, on le désingue vite fait. Je sais plus quel type il est. Il est pas type sol, hein. Pour moi, il était sol électrique et il est pas sol électrique, je crois. Tu viens de me fuir la gueule. Alors, par chance, j'ai une équipe entière hein, derrière moi. Un problème. Je fais aucun dégât. Bah ouais, évidemment qu'on sait rien de lui, mais je veux bien y croire ça. Ah mais si le type électrique c'est open. En fait, un team sol me met au sol sans faire de mauvais jeu de mots. Pas mal de membres de mon équipe en vrai. Après, si j'avais pas Chemia, ce serait déjà réglé. Là n'est pas le problème, mais en vrai, je vais faire extra censeur, ça devrait passer. Enfin, je veux pas qu'il me fasse sur debout là.
Vendetta, ça me ferait... Vendetta me ferait super mal le lancer en fait. On va tirer debout, tu le tank, tu le tank, tu le tank, tu le tank, tu le tank. Ok. Là on va juste prier pour que ce soit pas un Pokémon sauvage qui m'emmerde dans le jeu quoi. Ce n'est pas très efficace. Je teste. Ça se trouve qu'il peut lui faire rien. Enfin, il fait quelque chose. Comme il n'est pas de type sol, imaginez. C'est de ça la réponse. Super efficace. Merci. Merci à tous. Bélier. Oui, elle prend Bélier. Ce sera mieux que... charge. Une partie de moi open, mais c'est bien. J'adore Scoblin, j'aime beaucoup Scoblin. Alors c'est pas une attaque offensive, mur de fer, mais on va oublier mur de fer. On s'en fout du mur de fer aussi. Son tamponne. Voilà. Personne ne reste à la puissance de la vapeur. Non, non, on n'a pas besoin après. Non, en effet. Trop le rototo, la 5ème G qui me met super bien dans Pokémon. Petite assurance là. Petit one shot là. Quelque chose contre Onyx en vrai. Wow. Pour l'instant, on va dire pour l'instant, j'ai rien. J'ai beaucoup de Pokémon en première phase de leurs évolutions, c'est pas trop mal, mais il faut les faire évoluer un petit peu. Je crois que on aura un Trioxydre vers la fin du jeu, quoi. Objectivement parlant. Par contre, j'ai toujours pas une nouvelle, je sais pas s'il y a des gens qui sont au courant ou quoi. J'ai toujours pas une nouvelle concernant un petit peu la mise à jour Pokémon Diamant et la Pokébank, un petit peu. Juste histoire déjà de simplifier le Pokédex dans le jeu. Mais aussi de... Quelle force, j'ai pas pu résister parce que je suis bloqué à tout cas la con. Mais surtout comment dire... De pouvoir avoir des Pokémon de la 5G qui nous suivent, quoi. Tourbissable. Non, c'est pour aucun de mes Pokémon, ça. T'es mignon, mais je ne reste pas là. Même si tu crains le type feu, pour une raison que j'ignore. J'en ai marre. Hein. Encore toi ? Et gamin, faut... C'est lui qu'on cherche, là ? Pourquoi on le cherchait, lui, déjà ? Tiens, Miel. Merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts.
Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Wagomin dans son travail. Mais on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Bon, la team Yel s'est reconnaître quand elle est vaincue. Allez hop, on remballe. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Wagon! C'est Kabu! Comment il les a incendiés! Pas pour rien que c'est le champion du type feu! Nabil, ok, c'est bien ça. Le challenger recommandé par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants au challenger. La mine de galère numéro 2 regorge de Pokémon. Oh, un véritable défi pour mon équipe de type feu. Enfin, là, c'est parlé. Il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour une torbiche, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit et vous y serez. Allez, on se pose à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes. Au plaisir. Viens, Wagomin, je te raccompagne. Wouah! Wouah! De brûlants combats nous attendent demain. Et je vais te fumer ta... Pardon. Mon frangin a parlé de Kabu. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, demain, va pas falloir se relâcher. On va le défoncer. Attends. Je suis chaud là, je me... Du coup, on finit en... Oh, ok. Ok. La gomine de tout à l'heure devrait être là. Ah, on va peut-être remplacer encore... Ah, on va peut-être remplacer Slouchy. Je dis de la merde. Je crois qu'il y a un Pokémon qui m'intéresse dans les fougères là. Mais oui, les services... Ouais, alors par contre, moi j'ai un truc qui m'intéresse grave là-dedans, si je me souviens bien. Alors, donc pas les trucs de type vol. Non, ça m'intéresse pas. Je crois qu'il y a des coupe-notes dans cet endroit. Je crois. Je crois parce que j'avais déjà, je vous ai dit que j'avais déjà joué en janvier dernier, c'est-à-dire il y a un an et demi. Et je crois qu'il y a des coupe-notes que j'ai regardé. C'est sur ce côté-là de la route, je crois qu'il y a des coupe-notes. Les Smogos, on s'en fout. Oh, le Pokémon dégueulasse! Fuir. Désolé, je regarde juste de petites notifs de temps en temps. Ok. Pas une coupe d'autre là-dedans? Petite Super Bowl, toujours appréciable. Ça c'est le Pokémon qui se TP. Non, on est sur la route 16, non, c'est pas ça. Je suis quasiment sûr qu'il y a des Pokémon des coupes notes. Je vais regarder vite fait. Vous me permettez 5 secondes, je vais juste regarder si c'est des coupes notes. Ça va pas prendre longtemps. Coupes notes. Pokémon. Ah, j'ai un combat qui s'est lancé. Un petit Warfang qui m'a sauté dessus là. Toujours agréable. Non, ça l'est pas en vrai, hein, évidemment. Route 6, il y a 5% de chance de tomber dessus. On est route 6? On va le fumer vite, on va faire un peu d'XP, rapidement. Voilà. On se met bien. Ça, je sais ce que c'est. Non, ce que je cherche, c'est vraiment l'endroit où on est.
pas une carte? Bah elle est où la route 6? Pas du tout là. Ok, my bad. Je crois qu'il y a un truc qui m'intéressait par là. Pas du tout. C'est my bad. Excusez-moi. Ah, bonjour, jeune dresseur. Accepterais-tu de se mesurer à une grande dame de ce monde? Allons-y. Petit vol toutou là. Tente l'électrique contre le vol un peu là. Histoire d'up un peu les Molgas aussi. C'est trop mignon les Molgas. Il y avait un truc que j'aimais bien dans Pokémon XY, c'était un peu original. C'était les combats dans les airs. Genre on devait toujours être dans les airs en fait. Et du coup on avait que des Pokémon type vol qui allaient participer. C'était pas mal. Des petits trucs comme ça de temps en temps. J'ai pas une super bonne attaque offensive, mais c'est pas grave. Pour une fois, t'es mort. T'as pas le droit d'être deux fois confus, s'il te plaît, Emolga. T'as int là, Emolga. Tu int. Je suis pas plus rapide en plus. Tout pour le tout. Tu tank. T'es plus confus. Et c'est open. Allez, ça c'est fait. Excusez-moi, ça c'est fait. Pauvre de moi, je constate que tu disposes d'une certaine expérience en combat. Je trouve que c'était un métamorphe, je me dis quoi? J'ai rien fait, monsieur. Halt, tu viens dans la station pour te battre contre moi. Yes. Pas du tout un abus des forces de l'ordre, ça. Par contre, sa tête, elle est... On est où dans les jeux Fast Night, je sais pas quoi, là. Freddy Night, c'est comment? Non, parce que c'est un jeu d'horreur, son regard, c'est un regard de psychopathe. Je crois qu'il y a un niveau 40 qui va me carry, là. Tu vois, pour les badges, hein. Parce que je crois que sinon, Solo Gym m'obéirait pas. Je crois qu'on a un petit niveau 40 qui va peut-être me carry niveau des badges. Pour que Chocolochi m'obéisse, quoi. Un peu open, ça. Il n'y a rien à redire sur tes Pokémon. Ils sont en règle, tout comme tes techniques. Merci, monsieur l'agent. De Pokémon là. Bon, du coup, maintenant on est en capacité de faire le tour complet autour de Motorbi. Bienvenue à Joug, GG à nous, du coup. Ok, tiers. Avec plaisir. Alors j'ai pas les mots pris tout de suite dans l'hôtel, j'ai pas envie qu'on ait la suite tout de suite. J'aimerais juste travailler encore un petit peu. Bah je sais qu'on peut, donc on peut en profiter.
Ça vaut le coup d'aller faire quelques raids Dynamax en fait pour avoir un peu de super bonbons et tout le tralala. Histoire de up un petit peu ces Pokémon avant l'arène quand même. Histoire de pas être. Après la différence c'est que là on avait affronté une arène type O là où mon Pokémon le plus fort était type feu. Bon. La gamine avait un Chinchou. Attendez, la gamine avait un Chinchou, c'est pas. Elle voulait pas me l'échanger. Parce que souvent les Pokémon par échange, des fois ils ont des fou. Il y avait une tente juste là. Hein. Des fois les Pokémon, ils... enfin les randoms sont chauds pour trouver des Pokémon, des fois ils ont des talents secrets. Et c'est la seule façon de les avoir. Je commence à me poser des questions là. Gamine, tu m'échanges ton machin? Je m'emmerde. Petit faux espoir là. On est bien pour la route. Il y a toujours une tente devant moi. On va savoir pourquoi il y a une tente devant moi. Quelle est cette tente? Pourquoi tu brilles? Good afternoon! C'est toi qui étais à moitié enterré dans le sol. Tiens, c'est cadeau. Un steak haché. J'ai failli me vautrer à cause de ce machin. Pas laisser tomber tes trucs par terre. Hein. Ouais. Good afternoon! Un peu comme que j'ai capturé ce truc? Un paquet de légumes. Vous êtes ravagé? J'en ai à foutre deux paquets de légumes. Non, non, mais j'en ai un. Alors. Quoi? Mais pourquoi il se casse? Je comprends plus rien. J'ai des randoms là? Il y a des gens qui jouent en même temps que moi? Ah, et ça y est, je suis de Bruxelles. Comment ça va? Bah, bien, et toi, écoute. Bienvenue. Ah, il y a des randoms qui se. Ah, ok, on peut ce que. Ok. Ça marche, va pour se rencontrer. Hein. Enfin, on va essayer d'aller vite. Hein. Petit venipat là. Oh la musique. Elle m'avait pas manqué cette musique là. Ah, c'est pas un venipat. C'est pas mieux. Bien aussi. Ok, c'est cool. Que c'est férié aujourd'hui, faut en profiter pour se reposer. J'attaque avec quoi? Je veux Dynamax. C'est le seul que j'ai de toute façon, je crois qu'on peut pas changer donc autant Dynamaxer. Parce que t'es en ligne. Ah non? Je crois que ça va être un trioxydon. On va faire mal. On va rien faire mais. Ça me manque le méga évolution. Pardon, fouet de feu ça fait aussi mal. C'est ce bordel. Bon. Raid Dynamax terminé. Merci à tous, GG. Faut lancer une Pokéball sur ça. Ah non, on peut ne pas l'attraper. Voilà, facile. On s'en fout. Comment se fait-il que tu viens de le tuer? Alors. C'est tout à fait explicable. En vrai, je vais juste baisser un peu le chat, je me rends compte que j'ai mis un peu trop gros le chat. C'est tout à fait explicable. Il se peut que je me serve de Pokémon Go, en fait, pour mettre quelques Pokémon de la 5ème génération en avance. Ceux qui sont en tout cas transférables. C'est un peu open. Je voulais faire un petit run de Pokémon avec un Vipélière. On m'a dit non, Vipélière il se transfère pas. Bon, j'ai un peu pris ma race, mais. Sochi va être remplacé par Coupon dès que j'en aurai un. Mais. Il y en a un raid là-bas. On passe pas par là pour y aller. Il est où le prochain? C'est la première fois que je vois des gens en vélo se balader là-dedans. Oh le tricheur. On va appeler ça un optimisateur. Hein. Pas forcément un tricheur tout de suite. Hein. On va dire un optimisateur de Pokémon. Voilà, on va passer par là. Putain, mais ils donnent tous des ingrédients. C'est gentil, les ingrédients. Non, mais... De toute façon, le jeu, il est bien, hein, mais... Faut avoir les bons Pokémon pour s'amuser dessus, quoi. Il y a beaucoup de random, je trouve, disons.
faut vraiment que je change mon icône, j'ai un caméraman. Oh, je crois que c'était un évolier. Un pois chijon. Ça, on va le capturer. Cinquième génération. C'est parti. Qu'est-ce qu'on s'en fout du Dynamax? Ils sont aussi menaçants l'un que l'autre quand même. Quand c'était il y a longtemps quand même. Faudrait que j'aille voir les dernières vidéos que j'ai postées. Je crois que c'était je sais plus si je l'ai commencé. Enfin, je l'ai commencé avant Pokémon Diamant Étincelant. J'avais fait une pause, donc j'ai dû commencer en décembre, machin, quoi. On le capturer avec une super balle, comme ça on a moins de chances de le louper. Niveau 33 en plus. Qui ça? Qui est niveau 33? Le pois chijon? Mais non. Il va pas rentrer. Je crois que j'ai jamais loupé une capture. J'ai dit ça parce que je pensais qu'on pouvait. Enfin, à un moment donné, je vais en louper une, quoi. Je crois que j'ai loupé aucune capture de Dynamax, mais. Il y a un moment où on en loupe une, quand même. Putain, j'ai des bonbons à donner, il faut que je les donne aussi. Triple attaque, ça c'est pour Solochi, mais il peut la prendre, Solochi, c'est que Tréoxydre. Je crois que triple attaque, c'est. Que cette dernière évolution. Mais les températures, je vais quand même vérifier. Ah non, Sochi niveau 33. Ouais, mais je l'avais niveau 31, je l'ai quand même un petit peu. Mais après, les niveaux dans Pokémon, je les choisis pas. Je veux dire, quand je les transfère, je découvre les niveaux en fait après. On va donner au dernier. Dernier, c'est Emolga pour l'instant. C'est pas ouf ce que tu as quand même. Vas-y, monte encore un peu. Voilà, là déjà, on parle un petit peu. Acrobatie, évidemment. À la place de reflet. On est dans le mode histoire, on peut apprendre que des attaques offensives. Et puis bon, tant qu'à faire, Emolga c'est cool, on va le donner, on va le up encore un petit peu. Niveau 28. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir un bon Emolga. T'en es avec quelle arène? Je crois que là je dois aller faire celle de type feu, je crois. Si j'ai bien suivi l'histoire. Faut que j'aille chercher, faut que j'aille me reposer dans un hôtel et qu'après je suis contre le mec au type feu. Je dois interdire les motos sur mes horaires de stream. J'avais pas appris triple attaque. J'ai rêvé. Triple attaque. Ah mais je l'avais déjà, ouais. C'est pour ça. Ça faudra qu'on les vende à un moment donné. Passe le tri. Et ça. Des haricots. Des légumes et du steak. Et ben ça on le donnera à Zoria quand on l'aura. Ok, bon c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y en a un autre à côté? Peut-être pas forcément à côté, mais. Putain, mais le nombre de gens qu'il y a. Je passe là-dedans. Tranquille. Ah, j'imagine qu'il doit être vachement intimidé par un petit Pokémon là. Ouais. Allez, on va s'en occuper vite fait. J'ai
Je garderai les autres bonbons en vrai pour Zorua. Parce que Zorua, je vais l'avoir forcément niveau 1, parce que je fais que des œufs. J'aurai forcément niveau 1, vaut mieux que je garde des bonbons en vrai. Feu Gigamax Shiny. Oh, c'est pas mal en Shiny. Alors qu'en Gigamax, franchement, les Gigamax, je suis pas fan du tout du principe. Hein. Franchement, j'accroche pas du tout. Mais j'aime beaucoup certaines idées, on va dire. Je crois que mon préféré, c'est le Ronflex. Gigamax, il a carrément un espèce de territoire, après. Pas mal du tout l'idée. Mais après, le principe même du Gigamax. Bon, c'est comme Attaque Z, quoi. Je suis pas forcément fan des deux trucs, quoi. C'est nouveau au moins, hein, mais ça fonctionne pas, quoi. Par contre, Dragon Feu Shiny, c'est beau quand même. C'est plus beau que l'original. Tiens, empoisonné, ça c'est fait. Un peu de violence, mais... Non, non, ça je capture pas, ça ira. Ah, j'ai vu quelques bonbons. C'est parfait. On va aller au centre Pokémon. De Motorbi, c'est pas au Motorbi. Il y a où la foutue. Oh, non, 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 non. Je vais juste rencontrer aucun Pokémon vite fait sur le chemin. Faire un petit. Voilà. Les portes, elles sont là-bas. Donc, go là-bas. Il y avait des gringolèmes aussi par là. Mais j'en ai pas revu. Je suis sûr qu'il y en avait à un moment donné. C'est bizarre, pourquoi j'ai tous les trucs des autres gens. J'avais pas ça quand je jouais avant. C'est bizarre que ça me le mette maintenant. Bon, non, c'est pour ça que je vois les autres gens, quoi. C'est un peu bizarre. J'avais jamais ça avant. Ça me troule un peu. Il y a des gens dans mes games maintenant. Petit chauve-souris, là. Spectrum. Ça, on s'en tamponne. Oh, il m'a fait peur, le mob. Non, rien d'intéressant par là. Hop. Petit contrôle du vélo. Donne-moi un truc vite fait. Petit sachet de champignons, c'est parfait. Non mais t'en fais pas. Hein. Ça, y a un truc qui fait m'attaquer là. M'attaquez pas, je suis gentil moi. Il n'y a plus de tente. Il y a encore des gens, mais il n'y a plus de tente. C'est marrant, c'est original. Ah, il y a un teaser. Il y a un petit teaser Thor. Ça va tenir du coup le radar en fin de stream en vrai. Petit truc réaction rapide là en vrai. Ça passe. Ce serait pas mal ça. Bon, de plus en plus d'infos sur le film en plus. Alors à l'hôtel, on va déjà aller sur le Pokémon avant. Encore elle tient, toujours là. Lucky, c'est ça? Eh ben, tu t'entraînes tard. Dis, tu viens me rendre un service? On peut se faire un combat? Oh, c'est pas vrai, je viens de les soigner pour rien, les Pokémon. Je stresse un peu pour le défi, j'ai peur de pas avoir le niveau. En plus, je vais te couvrir dans ton lit parce que je vais te ramasser, quoi. T'hésites pas, ça me plaît. Il y a les mecs derrière, là, on les voit. Oh là là, mais je vais devoir lui mettre pâté et après elle va dire ah c'est bon j'ai pas le niveau, ça va être horrible. Je vais culpabiliser moi d'éliminer le challenger comme ça. Si je perds, j'aurai vraiment la haine. Mais ça arrivera pas. C'est quand même le but quand même. Bon après je te mets 9 niveaux donc ça va. Le combat. Oh oui j'ai pas le choix surtout.
Bon, c'est bien, hein, t'as le niveau, t'inquiète pas, Rosemary. Hein. Tout va bien se passer. T'as le niveau. Ah. Ça, c'était pas prévu. Petit dérapage. Petit dérapage à 30 PV quand même. Le petit dérapage quand même. On va peut-être dire qu'on est Molga en vrai. Non, on va rester sur assurance, c'est pas grave. Ça fait quand même le stab. Sans plus. Quoi? Mais t'esquives pas deux fois. T'esquives pas trois fois. Non, je te promets, t'esquives pas trois fois, toi. Prochain coup, c'est un one shot. Hein. Parfait. Par contre, on est loin du one shot du coup. Hein. Merde. Bon, on attaque le solo chi, mais. Un PV? C'est cool ça! On va changer de Pokémon avant d'aller plus loin. On arrête les conneries. C'est bon, on a une attaque vol, c'est parfait. On arrête nos conneries maintenant. C'est tout? En plus, ça statique. Allez. Et Molga qui va être notre clé pour gagner la ligue. Ah. C'est pas grave, j'ai une attaque de type vol. Passe une bonne journée. Je sais plus quel type c'est son truc. Nouveau Pokémon, ça va pas finir comme ça. Je vais pas me laisser faire. Je sais pas quel type c'est son machin. C'est quoi ça? Ah si! Ah si, mais ça c'est type électrique ça, non? En gros, si je fais ça, ça fait rien quoi. Voilà. Ok, tu l'auras cherché. Je vais pas te louper. Bah vas-y. Ah, morsure. Ah aussi quand même, tu me mets cher. Ah! Ah, il a changé de forme. Open. C'est pas prévu ça. Tu m'aimes pas très cher. En fait, je vais changer Molga. Hein. Avant que tu me tues, en fait. Tu rechanges de forme et tu redeviens gentil. Un peu bizarre ça. C'est pas grave. J'ai mon petit Goobix. Où est le problème? Là, c'est le moment où Goobix elle a vaincu une arène type O, elle toute seule. Alors qu'elle est type feu, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Ah, paralysée. Ah, elle est paralysée plus. Plus t'as que feu, ça soigne, regarde. Pouf, je suis plus paralysé là. Oh, s'il me tue avant, je vais. Ah ouais, j'en doute bien, t'as envie d'aller te coucher, mais t'as pas le temps là. Là, faut que tu tankes là en fait. Oh le morsure, faut que j'en esquive une là, sinon je vais. Pas grave, de toute façon, plus le nombre d'attaques qui est fait en même temps, plus on tank. Hein. Ça, c'est ma théorie bidon, mais. En vrai, ça se tente là. Là, il y a un timing là. Là, il me tue pas. S'il me tue, il y a un problème. 2 PV. J'avais prévu le truc. Par contre, il m'a fait la trouille, ça c'est pas juste. C'est pas juste la trouille là. C'est quoi ce jeu? Non, non, là, le jeu, il y a un problème là. La trouille sur les deux timings où j'attaque, c'est pas normal. À moins que le Pokémon ait un talent. Peut-être quand il change de forme, je suis obligé d'avoir la trouille en vrai. Je sais pas. Vive attaque. Ah, le timing parfait pour le timing parfait pour une petite calcination là. Je la sens bien là. Ah, ça tank, c'est bien. Et la calcination, il est mort. Ok, bon, peut-être pas. Bon, là, c'est problème numéro 3. C'est encore autre chose. Ok, on va faire un autre truc. On va faire une autre solution. Faire cette solution là, il va te tanker pendant qu'on soigne solo chi. Faut que ça serait facile. Bah, en vrai, objectivement, ça l'est. Juste que comme je change d'équipe tous les 4 matins, mon équipe du coup elle est pas optimisée en termes de niveau. Oh non. Oh, le pétacap.
sur le papier ça l'est. Quelqu'un qui va jouer à un jeu Pokémon sans changer son équipe tous les 4 matins va y arriver. Quelqu'un comme moi qui change d'équipe à chaque stream, il y a un problème quoi. En vrai, il tank bien. En vrai, il y a un monde où on tente une attaque, là on a le temps. En plus, Sochi il est pas full soigné. Bon, on va en profiter. On va faire ça et on va changer après. Et si on tank bien, je vais même tenter une attaque. Ouais non, on tank vachement bien en vrai, ça se tente. Il y a un truc qui se tente là, je trouve. Pour au moins voir quel type il a quoi. Ouais, c'est un peu chaud quand même ce que je tank. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui non mais ça... D'accord. Je te mets quand même cher. Là je tank pas hein, normalement. Ouais. C'était prévu. On va pouvoir balancer notre arme pas si secrète que ça. Il y a eu la coup de coup critique, c'est parti. Ça suffit. Il a la trouille. J'ai quand même la trouille. Ah ça c'est. C'est le jeu ça. Putain, je galère plus contre elle que contre un champion d'arène quoi. C'est incroyable. J'ai pas vive attaque sur ce Pokémon évidemment. Enfin je crois pas. Sinon je le ferais. Je sais pas pourquoi il change de forme. Ouais non je l'ai pas. Pitié me fout pas la trouille. Non pas que ça serait chiant, c'est juste ça me fait perdre du temps quoi. Parfait. Je vais péter un câble. Mange tes deux baffes et arrête de... Non, mange ta baffe. Ok, parfait. Non, en vrai, ils sont pas très forts. Hein. Non, non, mais de toute façon, en vrai, le jeu, dans sa globalité, est plutôt simple. Hein. Un autre jeu où je fais les mêmes changements d'équipe que j'ai fait là, sur ce jeu-là, je ne passe pas le jeu, en vrai. Le jeu est objectivement super simple. C'est quoi la première attaque? On s'en fout de la brouillure. On va faire un spam. Objectivement, après, je dis pas que le jeu est mauvais, parce que j'ai pas fini pour l'instant. Même si je l'ai dit plusieurs fois, mais... Enfin, j'ai dit plusieurs fois que le jeu était mauvais, mais objectivement, il l'est pas. Faut juste que je le finisse pour me faire un avis. Mais en termes de facilité, c'est le plus simple pour l'instant, quoi. T'as réussi à me battre, c'est pas rien. Et ouais, et ta team va me casser les pieds tout le long du jeu, j'ai l'impression. Il est dépité, le mec, derrière, je suis mort. La journée qui nous attend demain, moi, c'est Nono Direct. Tu ferais bien de faire pareil. Mort, mort. Ouais, ouais. Tous les Pokémon sont en PS, c'est bien, regardez, quoi. Demain matin, petit combat qui nous attend là, petit combat de type feu. Salut Loki, ton pote est déjà parti pour le défi des arènes. Il a dit que la carte de ligue de Kabu l'avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre. D'ailleurs, mon affilé est plein. Bouge pas, je t'en donne une. Alors pourquoi est ton affilé plein? Va savoir. Tiens, en fait, c'est cadeau pour hier. Ça, c'est gentil. Non mais sérieux, t'as grave le niveau pour affronter le champion de type feu. Qu'est-ce que t'attends? Fonce choper le badge au stade de Motorbi. Ouais, 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 je vais y aller, je vais y aller. On me laisse pas le temps là. Putain, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas les starters. En vrai, ça avait les starters de la 5ème génération possible à transférer dans ce jeu là, mais... Oh, j'aurais été avec un moustillon. Oh, oh, oh. Oh le moustillon qui aurait carré tout mon jeu. Non, me saoule pas, s'il te plaît, me saoule pas. Ah, te voilà Loki, chopé le badge feu. Oh, j'ai trop géré. Mais j'ai eu chaud. Normal, tu me diras, pour la reine du type feu. En tout cas, Kabu assure. J'ai sorti les grands moyens et franchement, j'en ai bavé. Fonce Loki. Kabu était grand athlète, mais je sais que tu seras de taille. C'est quoi le défi pour Kabu? Pas trop dur, j'espère. Pas trop chiant, en fait, surtout. Dur, je m'en fous, juste pas trop chiant. Bonjour.
petit uniforme là. Ça me change tout le perso quoi. Je peux rien dire sur le blog de Nabil, je fais les mêmes. Je suis capable de faire... Oh, il y a un Goopix. Je suis capable de faire exactement les mêmes blagues. En vrai, sur le coup, je rigole pas, mais intérieurement, ça me fait quand même rire un peu. Objectivement. Bonjour. Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène du type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon, marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Et vaincre un Pokémon tapis dans les hautes herbes te rapportera 1 point. Le capturer, 2 points. Gardez l'esprit que tu n'es pas le seul en lice. Il y a d'autres dresseurs qui participent. Regardez un œil sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions pour engranger un maximum de points. Bah, je capture tous. Que la mission commence. Je capture tous si on me saoule pas. Regarde, hop, petit Pokémon. Je le capture et puis voilà. En plus, c'est un Goopix. Ah, on est deux, genre lui, il va me saouler. Oh, d'accord. Bah, tu dégages. Mais alors, mais tu dégages complètement. Non mais... Excuse-moi. T'en as d'autres encore? T'en fais pas, t'en as pas beaucoup. T'en auras pas autant que moi, je vais tous te laisser faire sauter un par un. Non mais... Franchement... Goopix, 5 secondes, c'est de te protéger, hein. Tu permets? Premier jeu où je dois attaquer mon partenaire, mais... De façon objective, quoi, le défoncer, quoi. Et en plus, il attaque Goopix, non, il en a rien à foutre de moi, quoi, en plus, c'est incroyable. Je suis en train de prendre le jeu dans le dos en mode j'y attends pas du tout, et je frappe un coup de couteau, et lui, il m'attaque pas. Ok, ok, pas de soucis, c'est un choix. De toute façon, en cas de panique, j'en sais Pokéball, hein. S'il arrive par un miracle à l'affaiblir, ça part en Pokéball, hein. Vas-y, sors-moi un troisième Pokémon encore. Essaye de faire un troisième Pokémon juste pour voir. Il a plus de Pokémon! Ben voilà! Allez, maintenant on lance. Une Honor Ball. Goopix, t'inquiète pas, c'est tout douillé. Merde. Alors j'essaie d'avoir un petit problème pour. pour affaiblir. Puisque du coup. Ben, c'est qu'il y a un problème, quoi. Après, en vrai, si je les désingue... En vrai, si je désingue les trois dresseurs... Et les trois Pokémon, ça fait 3 points. Mais les trois auront 0. Je sais pas si ça vaut le coup, en vrai. Je tente un coup de boule, en vrai. Je suis brûlé et confus. Oh. Ça devrait pas être légal, ça. Le problème c'est qu'après là je soigne mon Pokémon avant de retourner combattre. Ça va être un peu open. Mais c'est original, en vrai ça c'est original. J'aime beaucoup les risques que c'est original de capturer des Pokémon dans les défis. Ce que j'espère par contre c'est qu'on l'a. C'est au moins qu'on les récupère. Pas en mode je les veux mais en mode. Bah c'est des Pokémon quoi donc bon. Ça me rapporte quelque chose quoi. Ça c'est on a 2 points déjà. Non, c'est rare. Parfait, on les garde. Donc, marque 2 points. Je suis le seul à avoir 2 points pour l'instant. Attendez, je vais juste checker, mais je suis le seul. Hein. Ah, il me faut quand même... Ah, il me faut quand même 5 points minimum. Il me faut que j'en capture 2 des Pokémon. Ok. Vous imaginez un shiny là-dedans? Tu sais exactement ça comment dans le lore? Dans le lore, comment tu dis? Ah, il a un petit shiny là! Qui vous attend?
Bon alors, grille-pâte, ça va ta vie? Ah, bah pardon, ça va. Merde. Et il m'attaque! Ah, le salopard! Et t'as fini, c'est chacun pour sa gueule ce combat, hein. C'est vraiment 3 mètres. Allez, tu t'es fait fumer, mon pote! En effet, tes pattes sont grillées là. Hein. Open up. Vas-y, ouvre ton Pokémon. C'est pas grave. Je vais te faire une petite mâchouille. Il a fait crochet venin sur le Pokémon, le dingue. En fait, le problème, là, c'est que je vais pas pouvoir l'affaiblir, le Funessir. Ça va être le problème. Parce que si je lui fais mâchouille, il est mort, le Pokémon. Hein, c'est obligé. Je lui fais mâchouille sur lui, sur Funessir. Hein. Le truc, c'est qu'une attaque type normal ne passe pas sur un Pokémon type spectre. Alors qu'il est feu spectre, on va avoir des problèmes. Oh, il le rêve, il est empoisonné. Oh, je vais te fumer, Tritox. Mais fallait brûler Tritox, Funessir. Mauvaise cible, ça. C'est pas Kali. Attends, coup de boule, ça. Ouais, mais ça, c'est un effet sur Tritox, on est d'accord. Qui tente de m'attaquer, le dingue. Dégage. Il tente quand même de me mettre cher. Hein. Il tente quand même de m'attaquer, hein. C'est un malade. C'est original. J'aime beaucoup l'idée, mais c'est chaud en vrai. Parfait! On démonte le prochain et on est bon comme il faut. Le prochain Pokémon qu'on voit, on le ramasse et normalement on est aux 5 points et c'est bon. J'ai juste regardé le tableau pour être sûr de moi. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Eh oui! Allez, c'est bon. Bah, on démonte le prochain Pokémon. En plus, c'est un petit grippette. Oh, je viens de penser à un truc. Je peux pas le démonter juste comme ça. Imagine, je loupe mon coup. En vrai, est-ce que je tente? Oh non, je tente. Allez, on est beau jeu, on est beau jeu. Salopard. Je voulais pas t'attaquer. C'était une illusion d'optique. Je voulais t'aider. T'es quel niveau? Je peux regarder quel niveau il était. C'est pas grave. Enfin, pas Emon Game, au cas où je suis niveau 29. Niveau 25. Il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où ça passe, pitié! Oui, c'est du one shot! Tout était prévu. Tout était calculé. Voilà la mission d'arène de Kabu pliée en deux temps, trois mouvements. Maintenant, pouvoir affronter Kabu, le champion de cette arène. Phil Challenger, go, go, go! Non, non, pitié, non, non, oh, c'est bon. Oh, je peux y accéder. Oh, le miracle! J'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Comme quoi, ça vient à n'importe quel moment d'y penser. Alors, j'ai un Pokémon KO. Quand même. C'est pas rien de le dire. Je pense qu'on est à peu près bon. En vrai, pas la peine de continuer. Hein. On fonce et on va juste sauvegarder. Je laisse. Objectivement, je le sens bien. Mais ça peut mal tourner, faut le savoir. Excusez-moi. Il est badass. Il court, lui, en a rien à foutre.
Moi, je marche. Je vais le faire attendre. Il va arriver en premier. Bienvenue. Comme tu le sais déjà, je suis Kabu, le champion du type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes plantes et eau de Persée et de Donna. Bravo. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner. Mais il faut être capable de tout donner au moment crucial. Je vais te défoncer, tu le sais, pardon. Je m'emporte un petit peu. On souffle. Et on y va. On va le défoncer. Fenard, c'est surcoté. Du Goupix. Tu vas voir pourquoi. Je vais défoncer avec ça. On va pas dynamaxer tout de suite. Il a le temps. Mettons pas de pression. On a Scobolide qui a roulade, qui est à ne pas oublier. Je pense que c'est lui qu'on va dynamaxer. Est-ce que c'est Twitch qui vient s'excuser, mon mail? Non, pas du tout. Comme quoi. Petite défense qui baisse là. Regarde ton Pokémon, Kabou, parce que tu vas pas l'avoir dans 30 ans, tu vas mourir. Oh là là. On va 11. Hein. Non, je déconne, c'est open. C'est gagné. Hein. En vrai, non. Il va carrer un peu ce Hoshi. Il est énorme l'Arcanin. C'était aussi grand que ça un Pokémon Arcanin? Vache. C'est pas énorme ça. Hein. J'aurais bien aimé faire un peu plus de dégâts quand même. Objectivement parlant. Aïe. En vrai, on tanque bien. C'est pas trop mal. Et il va soigner son Pokémon, c'est obligé à un moment donné, il va le soigner. Ça, c'est obligatoire. Alors par contre, autant Pokémon Diamant Étincelant, bon j'avance peu mais je fais le Pokédex, autant évidemment dans ce jeu-là il n'y aura pas de Pokédex de tryhard ou quoi. On fait le mode histoire, on cherche quelques Pokémon sympas s'il y en a, mais après niveau tryhard de Pokédex, voilà, on va vite... Je pense qu'on aura vite épuisé le fun du jeu assez rapidement quoi, pour être honnête. Donc voilà. Il va le guérir, c'est obligé. Ou pas. Moi je vais le guérir en tout cas. Attendez, faut que je réponde à un message en même temps. Ouais, ça va pour l'instant, j'ai pas trop à me concentrer, c'est un peu le mode bourrin. Pff,
pourquoi j'étais là, parce que j'ai pas appuyé sans regarder. Excusez-moi. On y retourne à la mâchouille. Il l'a pas soigné, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de continuer à y aller en mode bourrin quand même. Ok, parfait. Alors normalement, si mon compte est bon, ben, il en reste encore un avant. Je veux dire, il va le faire méga évoluer le prochain. Méga évoluer, pardon. Il va faire grossir le prochain. Ça fait 60, ça fait 25. Peut toucher, on s'en fout d'un nul. Je crois que je l'ai plus, roulade. Je viens d'y penser. Si, je l'ai encore. On va changer. Bah si c'est bon là encore, parfait. Un Pokémon insecte contre type feu. Qu'est-ce que tu fous? Tu nerfs, Kabou, tu peux gagner. Fais brûler la flamme qui est en toi, puis dans tes réserves. Alors objectivement, ce que j'aimais bien faire, c'était. Alors juste regarder un truc. Être sûr que j'ai pas de type vol qui l'emporte. Ouais. Non, on va y aller en roulade. On va le laisser faire son truc Dynamax là. On va laisser prendre un tour déjà en fait. C'est mieux. Bon, après quand lui sera plus Dynamaxé, moi je le serai encore. Tout comme j'en ai fait pas mal de dégâts en fait. Putain, son machin il devient dégueulasse. C'est déjà de base, hein. C'est encore pire. Il doit être insecte feu, je suppose. Donc fait mes chances x4. Je pense que c'est insecte hein, s'il a une fenêtre de type vol. Avec la gueule qu'il a, je vois que ça. Hein. Bon. N'inquiétez pas. Ça va bien se passer, je vous le promets. En vrai, j'aurais peut-être pas dû envoyer. J'aurais dû envoyer un autre mouton à l'abattoir. Et y aller en mode. Ouais, bah, Emulga, il a maxé quoi. On n'a pas le choix là. Là on doit y aller, on doit attaquer là. De plus fort entre Travis et Nabil. Objectivement, sur le papier, j'ai envie de dire Travis. Parce que Travis, c'est le mec. Ouais, la strat avant tout, tu vois. Et objectivement, dans Pokémon, c'est la strat. Sauf que dans le lore Pokémon, t'as le lien avec tes Pokémon qui compte. Et là, Travis n'en a aucun, parce que Travis est un calculateur sans pitié. Ce qui fait que Travis, techniquement, à la strat, n'a pas tout le reste. Mais sur papier, dans notre monde à nous, bah, le plus fort, c'est Travis, quoi. Mais étant donné que Nabil, c'est copain-copain des Pokémon, bah, dans le lore Pokémon, c'est lui le plus fort, quoi. Allez. Donc là, l'arène, elle est finie, c'était facile. Non, pour le coup, celle-là était facile. Hein. J'ai moins sué que pour l'arène Deep O. Parfait. Petite attaque, pas de soucis, Emolga, c'est cadeau. Il tombe carrément à genoux. Genre j'ai l'impression qu'on lui a raté sa vie quoi. Oh, vous avez fait du super boulot donc Pokémon et toi. Cette victoire, vous l'avez mérité. Oh, j'ai mis fin à sa vie, j'ai l'impression. Bravo. Tu as su tout donner pour réussir avec brio mon épreuve, qui est souvent considérée comme le premier véritable obstacle du défi des arènes. Je peux avoir des années d'expérience et d'entraînement, cela ne suffit pas à faire ce talent. J'aime rencontrer des dresseurs comme toi, qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Et depuis le temps, cette Pokémon devrait être niveau 100, non? Dans l'équipe et toi, vous irez loin. Je le sens.
C'est une belle rencontre sportive que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne ce badge feu en récompense de ta victoire. Waouh! Jusqu'au niveau 35, on est capturé. Ici, à Galar, les Pokémon Dynamax sont les stars du stade. Leurs combats font partie intégrante de la culture. Et c'est chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet cette culture d'être perpétuée. Tradition n'est pas stagnation. C'est le sang neuf qui nous force à évoluer et nous adapter au temps moderne. Nous autres, adultes, sommes là pour nous soutenir. Vous, les jeunes. Ok. Ok, ok. C'est cool en vrai. Loki, je savais que c'est rire pour ton Soloshi et toi, mais sans rire. Je stressais de ouf pour vous pendant le combat. Moi, j'ai pas stressé parce que je l'ai pas vu ton combat, donc je m'en fous. Bravo, Loki. Tu es à présent détenteur des badges plantes, eau et feu. Du bien beau travail. Et quoi toute cette CT pour peut-être tes exploits d'aujourd'hui? Sofolé? Ouais, non. Osef. Pour l'instant. Osef pour l'instant. Et voici également un uniforme avec le même design que celui de Kabou. Magnifique, non? Bah non. Vu ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kickenham. Kickenham. Et au-delà. Retourne donc t'aventurer dans les terres sauvages. Rends-toi à Kickenham. C'est bizarre ce nom de ville. Avec nos badges, on n'aura aucun mal à affronter le terrible Pokémon qui se cache tout au fond des terres sauvages. En route pour l'aventure. Ouais. Alors, j'ai vu un Scalproc qui m'intéressait éventuellement. Après Scalproc c'est cool. Salut. Salut la plus BG de l'univers. Des pseudos qui me font rire quand même. Vous avez de l'imagination dans les pseudos. C'est bon Loki, on y va. Vous avez l'expression gagner Pokémon au moins, non? Hein? Ça m'agresse. En plus on est en bas de la roue. Waouh. Vous êtes venu exprès pour me dire au revoir, vous? Un champion? Parce que vous savez que je serai le prochain maître, avouez. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges et abandonnent l'effet des arènes. Je fais donc un devoir de saluer les départs de ceux qui y parviennent. Et je ne suis pas seul. Oh là là, vous êtes venu pour moi. Ouf, juste à temps. Heureusement que le taxi volant sont là. Loki, Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Kabou. Peu de challengers y parviennent. On est vraiment très fiers de vous. C'est pour cela qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. Pour fêter cela, je prépare un petit chant d'encouragement. Non, non, pas de doublage VF là-dessus. On est les champions, on est les champions, on est les champions. Vous les challengers, rien ne vous fait peur. Continuez de nous faire rire. Voilà. Je le vois là. Pardon. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes. Je ne sais pas cela vous décourager pour autant. Ayez foi en vous et votre équipe. Merci Monsieur Kabou, et Percy, et Donna aussi. Vous en faites pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Ouais, on s'affrontera en finale vite fait. Kickenham, nous voilà. En route, Loki. Ouais, ouais, vite fait, on va en route. Hein. Magnifique chanson. Ouais, on sent qu'ils ont bossé dessus, quoi. On sent que vraiment, je pense qu'ils sont les premiers à qui disent au revoir, ça passe, mais... Non, ils m'ont fait sortir de la ville. Je viens de sortir d'une arène, mes Pokémon ont besoin d'être soignés. Les terres sauvages, comment on se retrouve? Je vous préviens, je suis plus le même. Regarde Loki, Kickenham, c'est par là. Ouais, j'ai déjà été par là. J'ai vu des Pokémon que je suis pas capturé, je suis en train de pleurer. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec de nouveaux badges, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. J'ai déjà mon équipe, moi. Perso, je pense qu'on devrait pas s'en priver. Capturer des Pokémon trop balèzes. Notre histoire continue. Ah, vous êtes toujours aussi nié à ce que je vois. Désolé de toucher vos espoirs, mais les filles des arènes, vous pouvez faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour avoir une telle minable. Mon pauvre Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement, c'est pitoyable. Tu sais même pas de quoi tu parles. Je lance des Pokéballs comme un pro. Et te moque pas de mon frangin, c'est le meilleur maître du monde. Ah non, c'est vraiment le dernier par contre. Hein. Qu'il est pénible. Bien. Puisque tu ne veux pas comprendre, tu dirais un petit combat. Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Arrête un peu de te la jouer. Je sais que dans la mine, t'es pris une raclée par Loki. Oui, mais toi, tu t'en prendrais une par lui, alors tais-toi. Arrête de faire le show. Niveau combat Pokémon, on est au coude à... Pardon. Je suis dans la gorge, là, apparemment.
sur cette phrase. Donc je vais te laminer. CQFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit de Loki ou du maître. Je reste parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre médiocrité. Médiocrité. Je vais l'éclater, il va rien comprendre. Il va voir qui c'est. Il va voir ce qui c'est. Quel médiocre. Ciao Loki, on se regarde de Kickenham. Nabil, c'est pas par là. Bon, du coup, est-ce que nos Pokémon sont soignés? En vrai, s'ils me sortent de la ville, c'est qu'ils ont pas envie de m'emmerder. Ils savent que je sors d'un champion d'arène, donc... Ouais, c'est soigné. C'est parfait. Allez, on est reparti. Oh, le Miasmac que j'aurais bien aimé capturer. Il y a un monde... Après, il est dans mon équipe, donc c'est un peu une perte de temps. Étant donné que le but est d'aller faire... le DLC pour acheter un Pashmia avec son talent secret, mais... Putain, mais il y a du monde. C'est trop bizarre de voir des gens. Je passe pas, on n'est pas dans Pokémon Arceus là. D'ailleurs, il est 17h, encore une demi-heure de stream. Je pense qu'à 17h25, on ira faire un petit tour sur YouTube. On ira chercher le trailer de Thor et on se le matera avant la fin du stream, vite fait. Et puis après on se quittera là. Oh le Beto Chef. Il y a des Pokémon qui font plaisir. Il y a pas mal de 5ème génération, non, ça fait plaisir. On va mettre un petit tranchodon sur le chemin. Oh waouh. Ça c'est les Pokémon taxi, ça je crois. Un petit tranchodon, non? Toi je t'aime beaucoup toi. T'inquiète pas, les gens ont pas conscience de la 5ème G encore à ce stade-là de la vie. Je te comprends. Ah, faut que je fasse là-dedans. Ah, ah, ça y est, j'ai les Marrakech. J'ai les. Pas les Marrakech. Je sais plus comment ils s'appellent, les Pokémon. Pareil, 5ème G. Pareil, toujours les mêmes. Il y a Goopix Daoya dans le DLC. Ah, je savais pas. Après, je préfère l'original. Et comme j'ai l'original, c'est parfait. Mais ouais, Goopix Daoya est pas trop mal. Ouais, il est là, c'est parfait. Non, dans le DLC, moi je vais chercher Chinchito et Pashmia, parce que c'est le seul endroit où on les trouve avec un talent secret qui me permet de jouer le seul Pokémon Strat que je sais jouer, et qui est mignon. Donc du coup, j'en profite, quoi. Mais quand j'ai voulu aller faire, j'ai vu que c'était niveau 70, je me suis dit bon... Oh, ça c'est un Colombo. Je crois. Ça s'appelle... J'ai envie de rejouer à la 5ème G, au secours. Ah, ils sont là les... Tigre Golem, Spectre Roche. Bon, je cherche toujours les gros Pokémon, voir si par pur hasard on pourrait me donner un petit Crabarak. Pas mal. Pas ce que je cherche, mais pas mal. Oh, ce Cryptoptero. Bon, je sais plus comment il est. Mais lui, il était super. Putain, mais il y a des Pokémon que j'ai envie de capturer. Je peux te capturer, toi, tu es niveau 35? Cryptero. Il a l'air très fort. Ouais, non, c'est au-dessus de niveau 35, ça. Si à cette phrase, c'est open. Ouais, niveau 40. Dommage. J'aurais bien aimé l'avoir. Un peu le seul, ouais. J'ai pas réussi à fuir. Non, mais je suis pas venu pour me perdre tous les Pokémon, alors que je suis injustice, je peux capturer. Dégage de là. Je t'aime bien, Crypt... Merci. Je t'aime beaucoup Cryptero, hein. T'es un de mes meilleurs Pokémon, hein, mais je peux pas. C'était un... à l'époque c'était un traumatisme Cryptero. Première édition de la 5G, N en dessous de la grande roue qui te sort un Cryptero. J'avais farm aucun niveau, j'avais rien fait, bah il m'a laminé, j'ai jamais pu avancer au-delà du jeu. J'avoue que je l'avais un peu mal vécu à l'époque. Oh le Minotaur. C'est quoi, je suis retourné dans quoi? Ah, un autre Minotaur. C'est pas celui-là que j'avais vu. C'est cool aussi, Minotaur, en vrai. Dans l'animé, il est cool comme Pokémon. Niveau 31. Oh, je tente quand même une Super Ball. On sait jamais. Il y a un monde où ça passe. Ça va le coup d'essayer. Lui, il l'aura pas mis dans l'équipe, en vrai. Ah non, ça vaut le coup de se casser par contre là. Voilà, donc là on va se casser immédiatement. Pas la peine de rester je pense. Hein.
on n'est pas à 5 minutes quoi. Je pète un câble. Bah on fuit là. Excusez-moi, ce Yoshi est mort. Je vous propose la fuite. Bon, alors, faut que je trouve un problème pour pallier au fait que... Parce que autant Pashmia pourra m'aider contre les types sol et roche, autant pour l'instant j'ai rien contre les types sol et roche, au contraire, je me fais laminer par eux. Faut que je trouve un truc pour contrer un peu ça. Mon équipe elle est mal foutue. Si je tombe contre un type sol... Si je tombe contre un type sol, je suis foutu. Alors non, Goopix, tu t'amuses beaucoup, je sais, mais il faut qu'on rentre. Ah, c'est open ? Il va me détruire ? Là, c'est de la fuite impossible, carrément. Après, niveau 31, en vrai, ça passe, mais... Bah ouais, à la base, j'avais un type plante en tête. À la base de base, évidemment. Mais Sauf que c'était Vivaldin ou Larveillette. Puis il se trouve qu'aucun des deux était était possible à mettre sur Pokémon. J'ai pété un câble. Vipélière, c'est encore pire. Vipélière, c'est encore pire. Parce que mentalement, Vipélière, c'est mon meilleur Pokémon que je préfère. Donc c'est un peu triste en vrai. Écosphère avec Goopix. Les Poképlay, ça fonctionne pour les fuites comme ça? Attends, je crois que j'en ai une, c'est pour ça que je dis ça. Ça fonctionne pour les talents? Ah ok, merci beaucoup. C'est gentil ça. Écosphère, on peut la prendre à Goopix? Ah bah j'essaierai Écosphère du coup. On va dire dans l'ordre des choses, c'est le plus important. Donc Vipélière ne peut pas être pris dans ce foutu jeu. Voilà. J'ai quand même vite fait faire un petit tour, voir si je peux tomber sur autre chose comme Pokémon intéressant. Oh, un déf... Ah, il y a le défaisant carrément. Bon, c'est bon, on s'arrête plus rien. Non, mais c'est même pas une question d'échange, c'est une question de Pokémon qui sont entre guillemets accessibles dans le jeu. Parce que tous les Pokémon, même si on regarde dans la Pokébank, c'est le mal avec le masque rouge là. Qui est là? Attendez, j'ai pas envie de rencontrer. Il est où? Ah, j'ai cru. Ok. C'est même pas une question d'échange, c'est une question de... Parce qu'en fait, tous les Pokémon qu'on a dans la Pokébank, on peut pas forcément les mettre dans le jeu. Parce que les jeux... Oh, un clic. Parce que les jeux sont pas... Ah ouais, il y a le masque rouge. Vas-y, essaye de me foncer dessus. Bah vas-y, je vais voir si je peux capturer. Parce qu'en fait, on peut pas tous les mettre dans le jeu. Il a très fort, merde. Dommage. On peut pas tous les mettre dans le jeu. Parce que le jeu n'accepte pas tous les Pokémon. Alors sinon, par rapport à ceux que j'ai vus, bon, on va reprendre le coup de la Pokéloupée du coup. Parce que par rapport au Pokémon Plante que j'ai vu, ben ouais, il n'y en a pas énormément qui m'intéresse à jouer surtout. Mais c'est vrai que Shinshidou, enfin Bashmia, quand je pourrais lui apprendre ce que je veux, ça ira beaucoup mieux. Bon, déjà on va aller chercher Coupenot. Bonjour. Qui est par là. Bonjour, participez au défi des arènes, présentez-moi vos badges, je vous prie. Alors, vous avez bien le badge Plante. Badge haut et le badge feu, parfait! Vous avez déjà vaincu 3 champions en dans une moto en bi. Continuez comme ça. Ah, bonjour. Et voilà. Ne te fatigue pas, cherche un habile, mais avec il ne viendra pas. Je jette pas la pierre, je ferai pareil après une telle humiliation. Comment peut-il regarder le maître en face maintenant? Je parie qu'il va déclarer forfait. Vous là, admirez un peu ces badges dûment obtenus. Parfait, Challenger Travis, vous poussez bien les badges nécessaires. Ça va tout ça, mais j'entretiens avec le président. Tu m'excuseras. Président, il y a un truc qui est pas super net quand même, je vais pas vous le cacher. C'est pas que j'ai pas confiance en le président, mais je pense qu'il se fait manipuler par celle qui le supporte tout quoi. Lui, je sens que ça va être le dindon de la farce quoi. Il va mal finir. Oh, qu'est-ce que c'est grand. Kick and Ham. Un peu spécial. Oh, une boutique de fringues. Oh, si on peut acheter un chapeau, c'est bien. Un grand chapeau. Faites confiance au président. Déjà de base, quand il y a un président dans la ligue, dans Pokémon, c'est le premier que je vois.
C'est un peu bizarre. Après, non, non, on va pas voir Travis. Déjà, on va soigner nos Pokémon, déjà. Avant tout. Ensuite, on va aller voir si on peut discrètement aller vers la route 6 sans trop se faire emmerder. Ça serait parfait. Même si c'est pas possible, mais parfait. Et après, on va essayer d'aller dans la boutique de freins et chercher un grand, grand chapeau si on a un. Ok. Hop, voilà. Est-ce qu'on peut aller vers la route 6 sans passer par là? Ah, mais là, la boutique de freins qui est sur le chemin. Elle a des chapeaux. Un grand chapeau. Casquette, casquette, casquette. Bob, 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 bob. Ok. M'intéresse pas. Ah, dans Pokémon Go, je suis en train de faire des fringues de la Team Rocket. Oh là là. Alors, la route 6, je peux y aller? Oh, si je peux y aller, c'est vraiment génial. Allez, la route 6, je suis sûr qu'il y a personne qui peut m'empêcher d'y aller, là. Bon, j'ai compris. Je prends le chemin. Pas de soucis. Je voulais juste un petit coupe-note, moi, c'est pas méchant. C'est gentil, les coupe-notes, au contraire. Ça m'énerve quand il est en mode incognito à deux balles, quoi. Monsieur le Président, je collecte les badges et les étoiles veulent diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation. C'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles veulent, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ah, mon brave Travis. J'essaie encore que d'un souci personnel, mais non. Il en va du destin du Galard. Il ne s'agit pas seulement de trouver les étoiles veulent. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un challenge recommandé par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre Tarak. Parfait! Rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Travis, j'aurais besoin d'entretenir avec toi un instant. Tu viens me suivre, s'il te plaît? Ça, c'est suspect. Ça, c'est suspect. Alors ça... Bonjour, monsieur. Tiens, tu es là, Loki? Tiens, t'entends notre conversation, alors. Moi, je voulais pas. Comme tu dois le savoir, les étoiles veuves comme sont les mystères, sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet Dynamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles veuves. En elles, sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie à Galar. Oh, pitié! Moi, les histoires comme ça, dans une région qui est un peu baumée... C'est pas qu'elle est paumée, mais... C'est que scénaristiquement, elle est pas stable, cette région, je trouve. Mais c'est mon avis à moi, mais... Évidemment. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas stream, quand même. J'ai beau avoir perdu mon autre chaîne. J'avoue que depuis le 19 mars, j'ai pas stream. J'ai déjà l'eau, la bouche un peu sèche. Donc, je prévois une bouteille d'eau la prochaine fois. Alors, c'est qui parle? Ah, c'est lui. Le stade de Kinkenham n'est pas qu'un simple stade. Car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette. Ce sera plus clair. Oh, le dessin avec le président à côté. Tu y vois? C'est simple, écrit comme cela. L'énergie est absorbée par la tour du stade, puis on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout Galar. Le mode de vie de notre société induit des besoins incommensurables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles veuves pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, les petits murmures à l'oreille, là. Ah, voilà que je fais tirer les oreilles par Liv. Il y aurait que l'heure tourne, je dois retourner travailler. En fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle est sortie de la ville, juste avant la route 6. Juste avant. Oh, tu vas encore me bloquer dans la ville, toi. Hein. Alors que j'y aille absolument, je suis sûr. Obligé que je dois y aller. Ouais, c'est écrit là, je vois salle des reliques. Ma photo gêne, mais. La pire fraude de tous les jeux Pokémon. Loki, ta collecte de badges avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil? Quand il m'a vu, il s'est excusé, il a disparu. Mais pourquoi? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il avait. Qu'il a en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit.
Ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aura un coup de déprime à cause d'une défaite? Il a perdu face à Travis, cette petite... Pardon. Ok, je vois. C'est plutôt bon signe. Ça montre que le combat lui tient réellement à cœur. Il deviendra un grand adversaire de petit frère, c'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président... Mais tout le monde a rendez-vous avec lui ou c'est comment, là? J'ai vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard. Donc, Jafil. C'est par où, déjà? Ah oui, c'est vrai que lui, il est paumé H24. Ah, d'ailleurs, puisque tu en es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Il devrait le trouver dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6. Je suis en route et tout. Le président est de l'autre côté? C'est pas grave. C'est quoi cette boutique là? Il y a un truc de café ou de coiffure. Deux hyper potions. Ça va. Yo! T'es la soeur commandée par Tarek, c'est ça? T'appelles comment déjà? Ah ouais, Loki! J'avoue, si Tarek lui-même mise sur toi, ça doit plutôt avoir du potentiel. Si tu veux te frotter à moi, il va d'abord falloir que tu t'obtiennes les 7 autres badges. Oh, je sais, mais on peut pas négocier. Ah! Du coup, t'es là pour admirer le contenu de la salle des reliques, je parie. Peut-être c'est l'histoire pour mieux piéger les mystères qui entourent les Pokémon. Ouais, bonne idée. C'est quoi? Jetez à la bonne. Entre. Pas que ça dure longtemps là. Moi je vais aller sur la route 6. Hein. Salle des reliques, bon. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Je vais jamais m'en servir dans ces trucs là. On peut pas s'en servir vraiment. Encore si j'avais l'équipe Pokémon, encore, mais. Je vais aller voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. Si je suis tout seul là-haut, c'est bizarre. Parce que ça m'étonnerait que je puisse être tout seul à admirer des reliques, quoi. Je veux dire, forcément quelqu'un pour le bien de l'histoire. L'histoire voudra jamais que je sois tout seul et que j'appuie sur des boutons pour lire l'histoire. Non, pas elle, pitié. C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça va durer des lustres, quoi. Ah, tu es venu. Je suis contente de te voir. Tu es venu? Parce que je devais aller là, à la base? Enfin, je devais la rejoindre. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré Pokémon, ça fait un mois. Donc ouais, un mois pile quasiment, un mois demain. Donc c'est vrai que j'ai plus en tête toute l'histoire et tous les retranchements. Trop bien cette salle des reliques. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplant une étoile. Une calamité survient. Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Il découvre une épée et un bouclier capable de repousser la calamité. Les voilà sacrés, souverains et couronnés. La naissance de Galar en image, c'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbant. Dis, y'a pas un truc qui te surprend là-dessus? Alors la nuit noire, c'est les Pokémon géants, mais là y'a aucun Pokémon géant. Et on va prendre l'histoire des héros. Hein. Voilà, on va prendre les... Pareil! Dans le hall de l'hôtel de Motorby, il n'y a qu'une seule statue du héros, et il n'y a pas de doute, il est seul. Sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que des mystères. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Et c'était quoi, cette nuit noire? Merci de m'avoir écouté. Ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai resté assez un moment, j'ai encore eu du travail, et je vais percer le secret de cette tapisserie. Mais Phil, je ne te retiens pas. Tu les arènes à défier des badges à récupérer? D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. C'est gentil. Non, c'est gentil, le rappel. Coupe-note! Il me reste 5 minutes pour chercher un coupe-note. Sinon, on va devoir le faire demain. Même si demain, il y a le jeu Lego avant, mais... Il est encore là. Il m'a attendu. T'aurais pu monter avec moi, à la limite. Hein. Tapisserie de la salle des reliques représente des héros de Galar. Notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. L'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Pour la route 6, entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Old Chester. Pas de soucis, cherchez mon Pokémon. Pourquoi fait grand coucou?
Laisse-moi deviner. Je parie que tu es en route pour Holchester, John Challenger. Comment je le sais? Parce que la route 6 mène à Holchester, pardi. Pardon. Non, mais même stress à secouer sa main comme ça. Bon. Il y a 5% de chance de trouver un coupe-note. C'est rare. Autant vous dire que ça va être un niveau de tryhard jusqu'à ce qu'on en trouve un. Oh, il est trop choupi ce doux Naja. Regarde ses petits yeux, gouji gouji. Oh, tu fais quoi là? T'es réveillé du Naja? Pas moyen qu'on te laisse passer. Oula, qui m'aide là? Pas le réveiller. Je vais pas le réveiller votre Pokémon, donc laissez-moi passer. Ça suffit les bêtises. Oh, pardon madame, allez-y, je vous en prie. Pardon? Ils sont gentils mais pas trop. Ah! Heureusement qu'il est là, lui. Non, je vais aller en choper un. De toute façon, c'est facile à choper, hein. Mais faut juste que j'en chope un, quoi. De toute façon, j'ai le temps, je mets une fausse pression en vrai. Dans 3 minutes, si on trouve pas un, c'est pas la mort. Ah, salut Loki. Si tu vas à Holchester. Et la Team Hill, vous faites quoi? On voudrait passer. Dans vos rêves, c'est trop brillant, les mômes. Et aussi, tu n'as déjà été allergique au bracelet des filles. Donc voilà. Ouais, si on laisse passer, ça va le perturber, ce pauvre petit choupilou. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Loki? Ils sont marrants, mais on a le badge à récupérer à Holchester. On les affronte. Ah ouais, carrément, t'assures. Ça va, il a pas trop la déprime en vrai, ça va, il est vite remonté. Mais chut, allez parler plus loin, la réveillée du Naja. Les mômes d'aujourd'hui, je vous jure, il n'y a plus de respect. Bon, pas le choix, pour protéger le sommeil du Naja, faut leur apprendre à se taire. C'est eux qui gueulent, hein. Du coup, ils me font gueuler et moi ça me fait mal à la gorge après, hein. Bon, mouffouette, ça va. J'ai quel niveau? J'ai pas beaucoup de niveau d'avance, on va peut-être tout faire un coup de boucle du coup. Ok. Vache. Ça va, c'est soft ces attaques en vrai. Par contre, on n'est pas en 2v2? C'est quoi ce bordel? Boom final. Oh le salaud. Pas besoin de changer, on a ce qu'il faut. Ouais. Bon, après ce combat, on va peut-être arrêter Pokémon. On va regarder les trailers de Thor vite fait pour réagir vite fait. Ça me ferait un peu de contenu. C'est vrai que j'ai jamais fait ça, mais bon. Ça vaut le coup de tester, étant donné que j'ai zéro hype pour ce film. Puis après, on ira couper le stream. Petit coup de boule, là. Oh, le bélier. Tu vas tomber, oui! Oh la vache. Bah, KO la prochaine. Je pense que je la tank. Ça devrait aller. Parfait! Ben voilà. Oh, j'aime pas les gamins! Ce qui est en combat. Tu vas jamais m'aimer, hein. Je te laisse faire le... Ah bah si, il est déprimé en fait. Oh bah j'ai rien dit. Totalement déprimé en fait. On sortait plus rapide en 2v2 en vrai. En termes de temps gaspillé par la Team Yell dans le jeu.
C'est-à-dire que c'est la première team que j'affronte qui ne représente aucune... Ah, mais il a un seul Pokémon. Qui n'a aucune menace. Parce que leur but, c'est pas de conquérir le monde, quoi. Leur but, c'est de supporter une... une challengeuse, quoi. C'est pas trop menaçant, quoi. Après, leur look est... contestable, mais bon. On a vu pire, hein. Ah, la vache. Alors, ça c'est un autre problème encore. C'est plus efficace que ça en a l'air, j'ai de sable des fois. Ouais, je sais bien ce qui me semblait que j'ai fait un coup critique sur le deuxième coup. Le problème c'est qu'il est plus rapide. Allez, au pas, c'est forcément plus rapide qu'un astu. Ah vache. Ah, falloir espérer qu'il ne mette pas KO rapidement. Parfait. Salut, L2MD. T'arrives sur la fin là. La fin, fin. Pour le coup. On va bientôt y aller. On va juste regarder vite fait la bande-annonce de Thor rapidement, parce que j'ai vu qu'elle était sortie. On est lundi, ouais, lundi c'est pas étonnant. Et puis après, ouais, on va se quitter là quoi. Bon, eux c'est fait. Ah, c'est pas grave, c'est pas très grave. J'en suis désolé déjà. Ça me touche qu'il y ait des gens qui viennent sur le premier stream de cette chaîne. Ça fait plus de gens que sur l'autre chaîne en plus. Vous êtes vraiment trop fort toi et Soloshi. Mais arrête de déprimer, t'as perdu une fois, mais... Enfin, une fois contre lui et toute fois contre moi, mais... Et moi, je vais juste bon me faire étonner par Travis. Enfin, j'en fiche d'avoir perdu. C'est normal ça. Faut bien un perdant à chaque combat. Déprime pas. Tu seras mon second. Tu seras dans le conseil 4 quand je serai maître. Mais il m'a dit. Il m'a dit que je faisais pas honneur à mon frangin. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Oh, c'est triste quand même. Ça se trouve, il a raison. Et c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable. Je sais pas. Je sais plus. Faut que j'y réfléchisse. A plus, Loki. Et donc le pauvre serpent, il est laissé là comme ça. Il vient de se réveiller du coup. Bon, on va juste faire un petit tour très rapide. Pour aller vite fait si... Ah. Tiens, tiens. Tu viens des Challengers sponsorisés par Tarak, c'est ça? Ah, c'est la championne. J'aime pas du tout son look. Je suis Sally. Voici ma carte de ligue, si tu veux en savoir plus sur moi. C'est gentil, mais non merci. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion. Bon, on va juste faire un petit tour très rapide, voir si on voit un petit goupelote qui dépasse de quelque part. Ah non. Ok, bon du coup, on va sauvegarder là. Petite sauvegarde. Et puis, ouais, je vais vite fait vous mettre la bande-annonce de Thor. On va essayer de regarder ça vite fait si on peut. Alors attendez, je vais juste vous mettre une petite...